Et bonjour, Douceur. Bonjour, Panthémor. Comment ça va bien? Merveilleusement bien, mais toi? Moi je flippe, le flip. Ça sent Oh, la fin, mais ça sent la flip. On est sur Tilt Down. Une exclusivité Sony. Et si vous avez constaté dans les dernières vidéos, ça commence vraiment à devenir chaud du slip. On sait pas ce qui se passe. On avait des questions d'attente de réponse, on a retrouvé Josh et il est complètement fou, on ne sait pas ce qui se passe, mais on va le savoir tout de suite. Let's go. Il est en plein délire. Josh! Mike, Mike. Josh! Eh vieux. Non, me frappe pas. Me frappe pas, pitié. T'étais parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Bon, on a Josh et on a la clé. C'était Tu l'objectif vois ça principal. là-bas? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Non, ouais, non. D'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade. Ah, puis en plus, on le conduit, lui. Ah, bah oui, il faut bien le contrôler au bout d'un moment. Pilote, il s'est corbarré tout seul. Putain, mais ils savent pas depuis 24 heures que c'est la obligé merde. De pomper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Il y avait quelqu'un là-bas, hein. Moi je le dis, hein. Attends, lui il est vivant. Ok. Non, il y avait une bébête dans l'eau, putain. Moi, je le sais. Oula, t'as l'air de vouloir faire une connerie, toi. Non, 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 non. Si, si, apparemment, si. Ah! Non! Ah! Bon, ben. Josh, il a die. Voilà. Et on va faire Outlast. Ah, t'es en train de dévoiler un petit secret. Bah ouais, non mais ça se trouve, il va être déjà diffusé. Oh, il est bien amoché aussi. Ah ouais. Bon. Finalement, mourrez tous en même temps. Enfin, voilà, merci. Bon, ça c'est l'élévateur où elle s'est pété la gueule. Ouais. Encore ces foutus violons. Bon, là apparemment il n'y a rien. Hum.
se passer un truc. Il va se passer un truc. En fond sonore, en fond sonore, c'est terrible. Ouais, vas-y, vas-y, montre-toi, montre quelque chose là. Oui, c'est ça. Ah, puis c'était Anna Obès, elles avaient le putain de papillon. C'était elle. Oh. Quoi? Je sais pas ce qui se passe. Elle non plus. Toi. On va se cacher, hein? Ah non, non, pleure pas, hein! Parle pas, hein! Balance-lui ta femme dans la gueule. Traverser, je sais pas. Grimper ou sauter? Allez, on saute. Attraper le surplomb ou contourner? Allez, j'attrape le surplomb. Ils viennent à droite, je te la gauche. Putain, mais qu'est-ce que tu fous toute seule, quoi? De toute façon, tous rejoints alors. Oui. De l'eau. Ah, les pieds comme des glaçons. Ah bah tu m'étonnes. Sors la clé. La clé. Allez, avance. Allez. Attends. Elle est pas habillée chaudement, hein. Ah bah ouais, elle casse habillée chaudement. C'est très bien qu'elle ait la chaleur à la montagne. Oui, mais je pense pas qu'elle s'attendait à ça. Moi, je vais dans un chalet, je m'attends pas à ça. Oui, mais tu prends des pulls. Oui. Ah, 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 ah.
Un petit abri? Bon, commence à courir, s'il te plaît. Voilà. Voilà, bah, tu vois que tu peux le faire. Si on traîne dans le coin. Allez. T'es en train de te métamorphoser, hein, l'ami. Il est plus là. Pourquoi on le voit plus? Ah, c'est bon. Si, oui, si. Mike, il lui est arrivé quoi, Josh? Il est. Ah, bah. Oui, bah tu viens avec moi. Au sous-sol. Ouais, on va descendre à la cave. Et puis faites-vous des bisous, hein, quand l'histoire est terminée, tout ça, histoire de... Ça dépendra de toi. Bah bien sûr, c'est de ma faute. Ah, ah, escalier qui descend. Eh, hey, bonhomme, t'es où? Voilà. Ah. Ah ouais. Et bah il a contourné. Ah tu l'as contourné, il a pris le passage. Mais ça se rejoint. À ton avis, quelles sont nos chances de survivre? J'essaie de pas trop y penser. Ouais, ne pense pas trop s'il te plaît, hein. Cassez-vous, allez, 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 allez. Ok, ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Promis.
pas. Sauver Mike ou courir vers l'interrupteur. Moi, je vais le sauver. Oh non, ça va me sacrifier. Il bouge pas. Non, tu me feras pas peur. Se cacher. Putain, je vais me cacher. Non, je ne bougerai pas. Bon, à la prochaine, tu cours. Quoi? Ah non, y'a rien. Si mes souvenirs sont bons, tu les as sauvés, Anna. On a un visuel. Le bâtiment principal est complètement détruit. Terminé. Quoi? On dirait qu'ils ne sont pas tous morts. Ok, on descend. Je les ai pas tous sauvés. Non, bah non, je viens de me rappeler effectivement que dans les épisodes. Il y a moyen. Ah, il y avait moyen de sauver Josh aussi ? Il y a moyen de sauver. Il y a moyen de tous les laisser vivants. Il y a un moyen, effectivement. Oh. Petite révélation. Il y a un profil pour les. Je sais pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression ? Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué ? Quoi ? Non ! Non, vous comprenez pas, Mais s'il vous a attaqué ? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. Il y a moyen de tous les sauver. Jessica, je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Bon, tous se faire mourir, ça a pas l'air d'être compliqué, hein. Non. Juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard. Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on pourra le connaître. Mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. Comment vous êtes-vous retrouvé dans les mines ? On m'a porté et emmené. Et qu'avez-vous vu ? Je sais pas. Je sais plus. Peter Stormare. Ouais. Il voulait nous faire du mal. C'est le producteur du jeu. D'accord. Il me semble que si je dis pas de bêtises. J'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru.
de parler à quelqu'un. Je vais bien. Vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme... Je vous dis que je vais bien. Pourquoi avoir frappé Josh ? Il avait perdu les pédales et... Je devais le calmer. Vous avez dit qu'il était ligoté. Oui, mais... D'accord. Ok. Je sais, c'est pas glorieux. Mais vous comprenez pas, il essayait de nous rendre fous. Et Mad, vous l'avez trouvé ? Non, pas encore. Ouais, bah, vous voulez pas. Vous n'avez pas l'air très inquiète. Cet enfoiré m'a laissé crever. Il a dit qu'il était mon petit ami et il m'a assassiné, ni plus ni moins. Vous seriez inquiet, vous ? Votre amie Ashley, elle dit qu'elle a voulu vous aider. Non. Elle dit qu'elle vous aurait entendu crier. Non. C'était pas moi. Michael. De quoi vous rappelez-vous ? Il est venu pour moi. Pour me sauver. Vous sauver ? Où est-il ? Il s'en est sorti. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Vous y cherchez quoi, Sam ? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerais n'importe quoi pour oublier ça. Eh bien. Quelle histoire ! Quelle histoire ! Ah ! Chanson. Alors, faut le recommencer. faut le recommencer. Alors, allez, je vais être pinailleur, je sais pas quoi. La fin est arrivée rapidement. Hein. Oui. La fin est arrivée rapidement. Non, non, mais... mélange entre l'histoire avec le fameux tueur et puis on a terminé 4 chapitres avec les Wendigo. J'avais eu peur que les Wendigo soient la trouvaille de plus pour essayer de rallonger la durée de vie du jeu d'une heure, une heure et demie en plus. Finalement, ça se tient. Ça se tient. Oui, ça se tient. Ceci dit, quand on voit le mec au lance-flammes dans les précédents épisodes... Il y a 2-3 petits trucs. Qui est tout seul et qui arrive à les buter un par un dès qu'il en rencontre. Et puis dès qu'il était avec monsieur je sais plus qui, se met à crever au bout de 2 minutes. Ça. La serviette de je ne sais plus qui est restée enroulée pendant un certain nombre de temps. Ah, mais il y a quelques petits défauts, c'est sûr, ça peut pas être la perfection. Non, mais là, je pinaille, je fais exprès. Mais à vous. Que, bon, comme je disais, dans les moyennes surfaces, j'ai trouvé ce jeu donc à 70€. Honnêtement, 70€, voilà. Non, je l'aurais pas. Il est très bien, il est excellent, oui, je l'aime bien. 30€. Les yeux fermés. Je serais monté à 40. Honnêtement, 40. Je serais monté à 40. Parce que tu peux faire et défaire l'histoire. Bon, pas 40 000 fois, c'est sûr. Mais honnêtement, 40€, ouais, je... Oui. Bon, avec maintenant, c'est sûr, depuis sa date de sortie à maintenant, oui. Oui, ça fait bientôt 6 mois. Oui, forcément, l'acheter encore à 40 maintenant, non. Mais au prix de base, je l'aurais mis à 40. Pas 70 dans les moyennes surfaces, dans les petits... Bon, après, commerce, voilà, c'est tout. Mais, ouais, non, à 40€, ouais. Il vaut le détour. Non, il vaut le coup. Franchement, il vaut le coup, hein, pour ceux qui regardent, pour ceux qui l'ont pas encore fait. Au moment où vous regarderez peut-être cette vidéo, peut-être que le jeu aura baissé. Donc, profitez-en si vous aimez à la fois les jeux interactifs, les films d'horreur. Où on vous laisse le choix, tel ou tel choix. Ouais, le suspense, les petites frayeurs, les petites. Ah trucs, non, c'est. Ouais, non, on s'en est pris plein la gueule, machin et tout, c'était super sympa. Ouais.
peut-être qu'au moment où vous nous regardez actuellement... Et vraiment le plus dans ce jeu, c'est de pouvoir le recommencer et de définir une nouvelle fois vos statuts, vos mises à jour, l'effet papillon qu'effectivement qui pourra changer, ne serait-ce que votre histoire. Donc ouais, non, franchement, ouais... Voilà quoi, à refaire. À refaire, moi je serais tenté de le refaire forcément de mon côté. Ah, très 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 sympa. Moi j'adorais. C'était une belle aventure. Une belle aventure, je crois qu'on devait être au 18e ou 19e épisode ou 17e, c'est vrai que. Ah, plus de 5-6 heures, 6-7 heures de 5-6, 7 heures de jeu. Ouais, ouais. Sur ce. Oh, attends. Laissons le générique couler. Il n'aurait plus d'avoir pour très longtemps, quand même. Sauf pas non plus 50 000 avoir joué au jeu. Enfin, avoir fabriqué le jeu, quand même. Ah, bah, il en fout du coup. C'est une exclu Sony. Ah oui. C'est une exclu Sony. C'était effectivement Until Dawn. Donc, traduction, hein, Until Dawn, pour ceux qui ne savent pas, c'est jusqu'à l'aube. Donc, fallait bien comprendre que jusqu'au lever du jour, vous étiez dans la merde en jouant à ce jeu. Voilà. Alors du coup, bah, je le referai forcément de mon côté, hein, on va pas streamer et enregistrer 50 000 fois sur YouTube. Voilà, vous avez mon histoire principale, comment ça a été vécu, comment c'était, etc. Donc je sais pas. Mais ouais, non, je le referai, j'essaie de m'amuser, bah, d'un côté à tous les buter. Je pense que ça va être très très facile. C'est très simple. Il suffit de tout louper en fait, hein, je suppose. Non, pas spécialement, non, pas spécialement. Et d'un autre côté, bah, éviter la mort de 2-3 personnages que j'ai tués, en l'occurrence bah, Josh. Un autre. C'est pas évident quand on se dit Josh, non, on peut pas mourir. C'est vrai qu'on se dit c'est pas évident. Enfin, tu. Bah, c'est vrai que quand on voit ce qui lui est arrivé, on se dit merde, il a pas d'autre choix que de mourir. Puisque, bah voilà, on était parti dans l'eau et il nous a pas proposé le choix. Hein. Donc c'est quelque chose qui a dû arriver avant. Et comme je te disais, l'ayant fait 2 fois et demi, faut que je recommence ma et demi, parce que pour la scie circulaire, je me suis trompée. Je voulais le refaire, toi tu as pareil zigouillé. Ah, mais il n'y a pas une mort. Oui, tu as zigouillé Josh. Ouais. Josh. Et non, je dis une bêtise, tu as sauvé Josh. Oh, je ne sais plus. Non, j'ai zigouillé. Voilà, et c'est pareil. Et les deux fois, je me suis... Bon, la première fois, voilà. Et la deuxième fois, pareil, j'ai voulu donc zigouiller l'autre. Et t'as zigouillé Josh, sans le vouloir. Sans le vouloir, ouais. Mais... Donc, oui, non, à refaire. Il y a tellement de possibilités que, oui... C'est assez impressionnant, parce que si vous regardez, ben, c'est l'épisode 8, d'ailleurs, tant que je me souviens, qui s'appelle « Ça nous la coupe ». Effectivement, ça concerne cet épisode-là, hein, revenons en arrière. Et ouais, si on tue pas Josh, mais la personne qui était à gauche, en l'occurrence, je crois que c'était Ashley, bah, ça voudrait dire qu'en fait, en vérité, on la tue pas vraiment. Sauf que Josh, on le tue pas vraiment. Donc, à voir quelle va être la répercussion en s'occupant plus d'Ashley que... Ou Jess, je sais plus, que de Josh. Ashley, me semble. Ashley, hein. Non, il y a plein de petits trucs comme ça. Ouais. Il faut regarder, mais il faut se concentrer. Ah oui. Effectivement, faut. Mais quand t'as des frayeurs comme ça, tu hein, tu te concentres, mais t'es vite déconcentré, hein. Ah. Non, mais c'est vrai que là... Non, jouer avec un... Quand vous aurez le plaisir de jouer au jeu, jouer avec un casque, jouer dans le noir. Ah, oui. Vous pouvez jouer avec le soleil qui rentre dans l'appartement ou dans la maison, avec des oiseaux qui font cui-cui, etc. Du moment que vous avez au moins le son vraiment dans les oreilles, dans le truc, ouais. Ça vous prendra quand même. Voilà, ça vous prendra quand même à l'intérieur de vous. À ne je pas changer de contexte. La première fois que j'ai fait ce jeu, j'ai poussé mes des cris, j'ai fait des sursauts, mais
Donc, non, faut le refaire. Faut le... Bon, maintenant vous l'avez fait, enfin que vous faites une fois, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Ah, mais je t'ai dit, hein, genre, on l'a fait deux fois et demi. Il y a des moments sur ton histoire, j'ai des petites frayeurs. Ah ouais? J'ai eu des petites frayeurs. Oui. Forcément, moins prononcé, c'est le tu sais le truc qui te prend d'un seul coup, qui arrive, qui te. Oui, ah oui, c'est vrai. Là, tu te dis, ah oui, c'est vrai, machin. Mais je me suis quand même refait deux petites frayeurs, deux trois petites frayeurs, oui. Ah, si vous voyez, là, il montre le nom des Japonais qui ont doublé. Ah, ça a été doublé au Japon, etc. Donc apparemment, il y aurait eu une partie de Sony Japon qui aurait travaillé sur le marketing, etc. Le doublage, l'Asie, la Corée. Ah, pas quand même. Hein. Ah non, tout Sony apparemment, c'est... C'est mobilisé pour que le jeu puisse avoir le succès qu'il rencontre aujourd'hui. Des testeurs en Corée aussi. Voilà. Essayez pas de retenir tous les noms, ça sert à rien. Alors, est-ce qu'il y a une scène post-générique? Non, je pense pas. Non, ils ont pas fait ça? Non, ils l'ont pas fait. Bon. Et notre psy, bah on en sait pour pas vraiment plus en fait. Bah hein. Non. C'est assez impressionnant, on aurait cru qu'on dirait. C'est des petits détails effectivement comme ça du jeu qui. Mais bon. Les développeurs pensent à une suite. Est-ce qu'on en saura plus sur le psy? Est-ce qu'on en saura peut-être un peu plus sur ce qui arrive après? L'après Until Dawn des personnages? Parce qu'à part l'hélicoptère qui vient les chercher et qui les rapatrie, bah du coup on sait pas comment ils deviennent heureux. Donc si on se retrouve E-R-E, comme dirait Roger Rabbit. Donc voilà. Si on a un plaisir de voir Until Dawn 2 sortir, on vous promet. Ah oui. On vous promet qu'en exclusivité, on vous le streamera, on vous le fera un YouTube dessus. On n'attendra pas 3 mois pour le faire. Non. Ça sera vraiment de l'exclu, je pense. Ouais, ça sera. Donc, non, ça sera une exclue, on fera ça, on se donne rendez-vous dans des quelques mois, peut-être en 2017, je pense que 2017 pourrait être l'année où la suite pourrait sortir. Ouais. Ça a pas l'air d'être si compliqué de faire un jeu comme ça, hein, comparé à d'autres jeux. Non, la suite est envisagée par les développeurs, donc qui vivra verra. Est-ce que ça sera une suite directe avec les personnages? Bon, ça m'étonnerait quand même. Mais je veux en savoir plus sur le psy, donc... Non, je veux en savoir plus. Il y a quelque chose qui se trémousse là-dedans. Ma chère Doucia, c'était une superbe aventure sur Until Dawn. Donc, pour info, si c'est pas déjà en train d'être diffusé sur YouTube depuis X temps, on aura peut-être le plaisir de faire Outlast. Peut-être, non, c'est sûr. Oui. Limbo, pour rester dans le côté macabre, en chariot. Que vous verrez, c'est peut-être déjà en ligne actuellement à l'heure où LM2 va regarder cette vidéo. Léos Fortune, le petit jeu sympathique sur PlayStation Store, mon parc est en promotion. Okay. Et Uncharted 4, qui d'ailleurs, j'ai envie de faire la personne qui est sûre de lui, qui est déjà sorti à hein, la minute où vous regardez cet épisode oui. d'Until Dawn. Uncharted 4 est sorti. Hein. Il est sorti, donc voilà, on sera peut-être déjà en train de streamer dessus depuis le temps. Sur ce, Doucea, on se souhaite une bonne fin d'Until Dawn. Et un bon visionnage. Voilà, un bon visionnage. Merci à tous les viewers qui ont regardé en direct. Merci à vous qui regardez actuellement sur YouTube. Oui. Continuez à regarder les vidéos suivantes, vous verrez, on va encore plus délirer. Oh oui. Et on se dit... Bonjour.